très bons discours. Le président de l'Assemblée nationale a toujours fait de bons discours. Et là, il n'a pas dérogé à cette tradition. Il a fait un bon discours. Il a bien restitué également les lois. Dans son bilan, il a restitué les lois que nous avons votées. Malheureusement, ce que nous regrettons, nous, députés PPACI, ce que nous regrettons, c'est que il y a des lois contre lesquelles nous avons voté en accord avec le PDCI. On a voté contre ces lois, mais comme nous sommes en infériorité numérique, ces lois ont été votées et les sassoirs sont passés et nous ne sommes pas contents. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit, il y a des lois contre lesquelles l'opposition a voté. Mais ces lois, puisque nous sommes dans la démocratie et c'est la loi de la majorité. Donc la majorité l'a emporté, ces lois ont été votées. Sinon, son discours a été un très bon discours. Nous allons rentrer, comme il a souhaité également, dans nos circonscriptions pour expliquer toutes ces lois à nos parents. On va leur dire ce qui s'est passé, quelle est la signification de ces lois, surtout les lois qui concernent le code pénal, le foncier urbain, etc., etc. Il faut qu'on explique à nos parents. Parce que même avant cette clôture, quand je vais dans mon village, dans ma circonscription, les parents me posent des questions, ben, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut qu'on aille sur le terrain pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent et qu'on soit au même niveau de compréhension. Voilà, ça a été un très bon discours, une très belle cérémonie. On va partir, on va revenir, c'est pas facile, hein. Pas facile d'être à l'Assemblée nationale avec un groupe parlementaire minoritaire, mais on se bat pour montrer aux Ivoiriens que quel que soit le nombre que nous représentons, nous sommes forts, nous défendons leurs intérêts, nous nous faisons entendre par nos mandants, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, qui nous a mis à cette Assemblée nationale, quand nous ne sommes pas contents. Nous, on fait savoir qu'on n'est pas contents. On fait des conférences de presse pour dire aux Ivoiriens que voilà, cette loi, elle est certes votée, mais nous, on a voté contre. Parce que nous ne sommes pas contents, c'est une loi qui piège nos populations, etc. etc. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Canal Ivoire, voix de la diversité.